Les journalistes du Des Moines Register préparent la dernière édition de leur journal. Le mois dernier, le journal avait fait les gros titres aux États-Unis après avoir imprimé un supplément réalisé par la Chine sous forme de nouvelles et d'analyses. Le président américain Donald Trump et le vice-président Mike Pence avaient tous les deux mentionné ce supplément, disant que la Chine avait l'intention d'interférer dans les élections américaines à venir, une assertion qui n'est pas prise au sérieux par le journal lui-même. Les experts que nous avons interviewés, les politologues, disent que c'est un peu tiré par les cheveux. Chaque nation a ses méthodes pour mettre en avant son point de vue. L'Amérique utilise Voice of America. Je pense que les agriculteurs savent de quoi ils parlent. Ils sont au courant de la situation du commerce international. Je ne pense pas qu'ils ont vu quelque chose de nouveau dans ce supplément éditorial. Le supplément de 4 pages était inséré au milieu du journal et comprenait un reportage sur les tensions commerciales entre les deux pays. Ici, au Des Moines Register, nous l'avons traité comme n'importe quelle autre publicité. Mais je dois simplement m'assurer que le supplément est clairement identifiable comme étant une publicité. Celui-là était payé par China Daily et il contenait aussi des choses qu'on voit largement dans la presse. Voici la ferme Kimberly à Maxwell, la ferme que le président Xi avait visitée lors de son voyage officiel aux États-Unis en 2012. Kimberly doute que les agriculteurs des environs aient donné beaucoup d'attention à ce supplément. Honnêtement, certains ont même pu ne pas le voir, mais beaucoup en ont entendu parler après. Et je pense que pour la plupart des gens, ça n'aura pas eu d'impact. La plupart le voient juste comme un supplément dans un journal, ça ne fait pas pencher l'opinion dans un sens ou dans un autre. La saison des récoltes bat son plein et les litiges commerciaux continuent de faire la une dans l'Iowa. De nombreux agriculteurs ici espèrent qu'une solution sera trouvée rapidement.